C'est une rentrée des classes réussie pour les Lotto Boys. Ce samedi 5 mars 2022 à Grand Popo, le choc annoncé a tenu toutes ses promesses. Dans ce duel, ce sont les visiteurs qui donnent le ton par deux occasions sans frisson pour les Verts. Lotto Popo réplique à la 22e minute, mais le cadre se dérobe. Dès cet instant, les champions en titre entrent dans leur temps fort. Ils mènent une série d'attaques, mais manquent de réalisme devant le but jusqu'à la 41e minute, où tout s'écroule momentanément. Aïma Football Club obtient un pénalty suite à une faute de Zulkaneri Seibou dans la surface de vérité. Nourdine Gakou repousse le pénalty, mais Idriss Boukari marque en deux temps. Blessés dans leur amont propre, les Lotto Boys rejoignent les vestiaires avec un but de retard. Ce match, il est à gagner. On le gagnera, même franchement. Vous allez être capable, vous allez être largement capable. Ce match, il est à gagner, vous le gagnerez. À la reprise, le public découvre un nouveau visage des coéquipiers de Patrick Sediama, auteur d'un match taille extra large. Abdeslam Ouadou flaire les bons coups, trois changements, coaching gagnant, Faisal, Gilbert et Imran entrent, Lotto Popo prend le contrôle du jeu. Faisal Bachir illumine le stade avec une première passe lumineuse. Gilbert Adoyandé à la conclusion ramène les deux équipes à la parité. À un but partout comme la saison écoulée face à Aïma, la décision se fera dans le temps additionnel. On jouait la 91e minute de jeu. Faisal Bachir donne la balle de victoire à Bienvenue Vinou qui venait de faire son entrée. Crochet, tir tendu, l'avant-centre inscrit le deuxième but des Verts. Le match a pris fin sur ce score de 2-1 en faveur des champions 2021 qui remettent leur titre en jeu de la plus belle des manières. Un résultat qui fait du bien à Abdeslam Ouadou. On est très content de cette rentrée en matière. Ce fut un match difficile. Même si la physionomie du match nous a démontré qu'on a globalement, je dirais, dominé. Donc je félicite mes joueurs pour cette force de caractère. Et donc on a démontré qu'on avait des ressources. On va savourer rapidement cette victoire. Et puis on va tout de suite se mettre au travail en termes d'analyse de cette équipe, même si on a déjà des informations. Et on va clairement là-bas pour mettre une équipe compétitive et essayer de confirmer. Je crois que si on arrive à confirmer ce match à l'extérieur, on pourra être vraiment dire qu'on est lancé. Lotto Popo affronte mercredi prochain Eternel Football Club pour l'acte 3 de la Super League Pro. Lotto Popo, un pour tous, tous pour un.